Ok, et ok, d'accord, maintenant c'est les chenilles, enfin les je sais pas quoi là, cuirassés, hop là. Et après c'est la phase où je n'arrive pas à passer. Pam, pam, palapam. Pam, pam, palapam. Pam, pam. Allez, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Ouais. J'ai déjà plus le bonus que j'avais avec le charme, énorme. C'est loupé. Non. Ok. Ok. Aïe 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 aïe. Merci l'amitié. Ah, j'ai marqué un beau but. Non. Oh, hi, oh, oh. Reste quoi? Oh, hi, non. Arrêtez. Ah, il y a une plateforme. Énorme, la plateforme s'en va. Laissez-moi partir, laissez-moi partir. Hi ! Soin, 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 soin. Ok, ok, c'est la merde. C'est la sausage party. Non! Laisse-moi partir! Je veux rentrer chez moi! Oh non, il monte! La vie, ok? Non! Merci l'amitié, merci! Ok, lui je peux me soigner avec lui. Ok, je m'essuie les mains. Ah, Redradoc. Je crois que ça va, je suis désolé, je lis pas beaucoup là, mais... le cœur y est, hein. Ok, j'ai encore assez pour me soigner un coup. Non, je peux lui refaire la Master Sword. Ouah. Ah, hi, oh. Ok. Ah. Soin. Non, qu'est-ce qui m'est tombé dessus là? Ah, mais le nouvel arrivé, ok. Ok. Ok, ça fait plaisir. Ok, 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 ouais. Ah, non, 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 ah, ok. Ça rase. Oh, ok, ok. Le pouvoir de l'amitié. J'ai été touché! Commando Cousteau! Soin. Ok, non. Non!
Ah, à l'amitié, oui, l'amitié, oui. Oui, oui, à l'amitié. Non, 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 à l'acide. Il veut pas mourir, lui. Soit. Oh, yes. Ok, ok, ok. Non! Ok, ok, il reste plus que la bestiole. C'est le pire. C'est le pire, la bestiole, mais j'y crois. Oh non, 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 non. Okay, faut que je me soigne un coup, voilà, ok. Non, mais ça par contre, faut que je l'évite absolument. Soigne. Oh. Non. Yes. Ok, ok, soin. Yes. Yes, 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 yes. Fou, succès déverrouillé. Si on déverrouille le succès, c'est qu'on a gagné. La règle. Saras. Sarasam Sala, oui. Excellent. Excellent, excellent. Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi on peut pas partir? On peut partir par là? Ah, je peux partir par là. Ok. Ok. Ah. Alors, reprenons depuis le début. Allez, bonne chance. Merci. Ouais, les pics en bas, c'était vraiment la pire des phases. C'est celle où j'ai le plus de morts. C'est assez terrible. Ah, les attaques spéciales d'aiguillon aident beaucoup pour cette partie avec les pics. Ah, et bah, dommage que j'ai perdu les attaques spéciales directement. C'était assez terrible. T'inquiète, je fais le compte soutien. Ouais, merci, merci. Ouais, c'est GG qui tombe. Ah! Ah là là! Voilà, voilà, mais voilà! Si vous-même vous avez un problème à un moment donné, vous n'avez pas à faire le colisée du fou, prenez Dranok avec vous, quoi. On a déjà parlé, hein, vous prenez Dranok, voilà. Modèle 04, vous le mettez dans votre chat, c'est bon, c'est gagné. Si vous avez pas de chat, après, parce que vous ne pouvez pas non plus poser des problèmes techniques en mode ça y est, il faut s'acheter un chat et machin. Non! Vous prenez Dranok, vous le mettez dans votre pièce, hein. Il y a des locations qui se font de Dranok de temps en temps, c'est pas trop cher. C'est quoi tes tarifs à peu près pour une location à domicile? Bon, forcément pas en ce moment, mais... 15? 15 à l'heure? Ça va, hein. Ça va, c'est quand même plutôt pas mal. 15 balles l'heure, hein. Si vraiment vous n'arrivez pas à passer le Colisée du Fou... 15 euros, est-ce que c'est vraiment un gros investissement? Bon, je sais plus combien coûte le jeu, mais ça doit être le prix du jeu à peu près. Mais bon, on a vu pire. Ah, énorme, on l'a fait. Ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a des choses que je veux changer? Oui, bien sûr. J'ai beaucoup aimé tester ce petit truc de larve mouche là, c'était bien. On veut remettre ça, et surtout on veut remettre les trucs de l'exploration. Ok. Oh, et l'amitié aussi, hein. L'amitié, c'est pas mal. L'amitié, ça sauve des vies. Y a plus le mec, d'ailleurs, sur le banc, hein. On l'a pas croisé, Jean-Jacques Duban. Il a finalement atteint le Colisée, force à lui, mais... Et on l'aura pas croisé. Après, heureusement. J'avoue que, bon... Ça a rajouté une vague. Ah oui, de vous revoir, guerrier. Un véritable fou continue de se battre. Même quand il n'y a plus de gloire à gagner. Approchez-vous d'un tableau et placez votre marque. Montrez-nous à quel point vous êtes fou. Il va même pas penser un petit truc. Non, non, il s'en bat les steaks. Ok, d'accord. Il en a strictement rien à battre, on peut le dire. Je vais pouvoir m'enlever la petite pastille ici.
Moi, je crois que la seule pastille rouge qui reste, c'est celle du lieu doré où il y a 1 million de trucs. Donc ça va, je le vis bien. J'ai déjà fait mon deuil de cette de cette zone. Ça me va. Cool. Bah énorme. Il a fallu insister un peu, mais c'est passé. Alors, la station. Où est la station de la ville? Où suis-je? Je suis là. J'étais perdu. Ah oui, il faut que je passe par là-bas et ensuite je monte. T'as quasi fait le 100%. Ah bon? Bah dis donc. Après, c'est vrai qu'on a fait, on fait pas mal de trucs. Hein. Après, j'imagine qu'il faut faire tout ce truc-là. Puis il y a plein de trucs qu'on a dû pas découvrir. Enfin, plein. Si tu me dis qu'on a quasiment fait le 100%, il n'y a pas plein de trucs, mais il doit y en avoir quelques-uns qu'on a pas vus. Après, des choses comme la troupe Grimm, par exemple, ça compte dans le 100% ou pas? Parce que c'est vrai que nous, du coup, on l'a banni, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'aura jamais le 100% sur cette... Il faut que j'aille en bas, ok. Sur cette save, ou... Parce qu'il y a un boss qui est en rapport avec ça. Je sais pas sur quoi c'est basé. Dans le truc doré, dans la décharge, il faut pas tout faire, ok. Passer par là. La rumeur veut que ce soit plus court. Passe. Ok. Mais c'est Dridri qui m'a impressionné. Je sais qu'il a été complètement hooked par le jeu. Mais genre, il y a 2 jours... Je caricature, mais il y a 4 jours, il commence le jeu. Il y a 2 jours, il était à 8h. Et là, j'ai regardé, il en est à 20h dessus maintenant. Mec, il était à 8h, il avait déjà atteint le Colisée. Il en était à 20h, là, il a rencontré la troupe de Grimm et tout. Hein. On l'arrête plus. C'était à quelle station je voulais aller. On va aller faire le... On a fait un peu de contenu sur le côté et tout, c'était pas mal. J'aimerais qu'on fasse le veilleur et qu'on aille maintenant au boss. Boss. Il est temps d'en finir avec cette aventure. Qui est juste magistrale, tout simplement. On va aller à la station de la reine. Enfin, en finir. Encore une fois, je sais pas ce que contient la fin. Mais, pour avoir la fin que je veux, faut que j'ai le charme. Ça, c'est bon. Lui, là. Non, pas lui. Lui, là, cœur du vide. Faut que j'arrive... au niveau du machin, là, où on a les 3 sauts qu'on a pété, donc pour ça, il faut qu'on pète le dernier saut, donc pour ça, il faut qu'on aille voir le veilleur. Le veilleur. À chaque fois, je dis veilleur, c'est terrible. Le rêveur. C'est... Là. Ok. Et après, pendant le combat contre le boss, faut qu'on utilise, à un moment donné, notre lame des rêves. Et ça devrait me permettre d'atteindre la fin que je veux. Enfin, la fin la plus évoluée, sans faire de contenu... Enfin, sans faire tous les trucs dorés, là. Sans faire le panthéon des héros. Si j'ai bien compris. Ah, c'est vrai que notre pote, il était là aussi. Lui. Ce royaume n'abonde-t-il ? Pas de surprise, un édifice au sommet d'un lac d'acide. Malgré ce spectacle, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une sensation familière. Quelque chose attise mon esprit, bien que je ne peux pas encore dire quoi. J'ai toujours cru que c'était mon désir ardent pour l'exploration qui m'avait conduit jusqu'ici, mais maintenant il semblerait que c'était pour une toute autre raison. Cet édifice m'appelle. Bah, je rentre dedans, mec. Archive de l'érudite. Ok, on a une sortie par le bas. On a un petit banc aussi. Prenons-le. Sans jamais sur quoi on va tomber. Ah. 1 million de méduses.
Heureusement, on peut nager dans l'acide, hein. On ne peut plus tranquillement. Ouf. Je reste en stream, mais je serai silencieux quand je vais faire quelques trucs. Hein. J'espère que quelques personnes vont passer sur ton stream pour découvrir la fin du jeu avec toi. Oh bon, on verra. De toute façon, au pire, ce sera aussi en VOD, mais aucun souci. Hein. C'est très gentil déjà de passer. J'espère bien sûr que le spectacle te plaît. Tu connais déjà bien le jeu. Ah, ça sent le boss ici. Ça sent la... Oh, c'est un Metroid. Umu. Ah bon. Quelle bonne ambiance. Mais je lui fais rien. C'est dégueulasse. Peut-être que j'utilise de la magie. Pas du tout. Peut-être qu'il faut que j'attaque par le bas. Non plus. Peut-être qu'il faut que je... Oh! Mon ami! Oh, il fait Kassa! Il est stylé? Ah, il est là, je peux... D'accord, ça va être un combat de l'amitié. Moi, j'aime bien les combats de l'amitié, c'est la vie. Oh là, Kirel. Kirel, ça, il était déjà bien placé dans mon top d'estime. Mais là, c'est... Ok, non. Nice. Ouais, il était déjà bien placé, mais là, il est vraiment exceptionnellement bien placé, là. Il est incroyable. Aïe, 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 aïe. Ok, excellent, excellent, bien joué, ça. Mais des bonnes grosses patates, ouais. Ah, il dash partout, il est incroyable. Nice. Excellent. Oh là, on l'a atomisé. Pour une fois, on se bat avec un ami et il n'y a pas de mort. Du côté des amis. Oh la beauté. Il est où, mon pote? Où es-tu? Où es-tu, frère? Je ne sais pas où il est. Il a disparu. Il est juste venu m'aider et il a disparu. Un réservoir rempli de Lumaflies. Chargé. Deux absences, troisième abondance, coquille extérieure, eau intérieure. Place en absence, troisième vide, liquide, substance eau. Tisse absence, intérieure aux coquilles extérieures, troisième substance, regardez, chut, vide, vaisseau, absence tout, extérieur, contenir. Oui, oui, sans doute, oui. C'est bien ce qui me semblait. Je suis d'accord. Ah, ça se pète ça, non? Peut-être pas ça. La gueule d'un truc qui se pète quand même. Non, ça fait juste de la lumière. Non. Oh si, ça la gueule d'un truc qui se pète là. Ah non, examiner, pardon. Quelque chose brille dans le réservoir. Bon, d'accord. Oh, salut. Énorme. As-tu ressenti son appel toi aussi? Je réalise que ce n'est pas par hasard si nous arrivons ensemble. Je me souviens de cet endroit. Bien que la plus grande partie de ma mémoire ait disparu. Dans ses chambres de stase, l'érudite entreposait toutes ses connaissances du royaume, avant d'entreposer son propre esprit en son centre. Pour sauver Alonest, l'érudite est volontairement devenue un sot, mais elle s'est entourée d'une protection supplémentaire. Bien que je ne possède aucun souvenir sur ce qui s'est produit, je sais que j'ai joué un rôle dans l'accomplissement de cet exploit. Elle m'a guidé jusqu'à elle, ici et maintenant, pour inverser cette protection. Tout cela pour pouvoir te venir en aide. Oh là là. N'hésite pas. C'est son choix de reprendre forme, pas le mien. Elle sait que tu as l'intention de faire. Elle sait ce que tu as l'intention de faire et semble s'en réjouir. Oh là là. T'es incroyable, mec. De penser qu'une si petite créature porterait le destin de ce royaume. Un rêveur endormi dans le réservoir. D'accord.
suis censé lui péter la gueule, moi. Ah non, mais il faut que je fasse le truc des rêves sur elle, c'est vrai. Je vois, j'oublie. Hi, ouf. Bah. On a 20.